Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gabon Première dans le cadre de votre magazine Consomag. Consomag aujourd'hui va traiter du thème relatif aux droits et devoirs des consommateurs. Les consommateurs du monde entier ont des droits, mais aussi des devoirs. La reconnaissance de ces droits s'est réalisée dans les années 1960 grâce à Consumer International, ancienne organisation internationale des unions des consommateurs. En 1983, Consumer International édicte que le 15 mars sera désormais la journée internationale des consommateurs en mémoire du discours historique du 15 mars 1962 de John Fitzgerald Kennedy. Devant le Congrès, le président américain fut le premier à proclamer les droits fondamentaux des consommatrices et consommateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Journée mondiale des droits des consommateurs, c'est une journée instaurée par Consumer International, qui est une organisation mondiale, pour que les consommateurs prennent connaissance de leurs droits et de leurs devoirs. Durant cette journée, plusieurs thèmes. Un thème international est choisi par l'OGC, l'Organisation mondiale des consommateurs, Et ce thème est célébré dans le monde entier, dans les différents pays. Parfois, ce thème est adapté par rapport à la réalité du pays. En ce qui concerne le Gabon, nous célébrons chaque année cette journée avec les associations des consommateurs selon un terme national choisi par rapport à notre réalité du moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux dernières années, malheureusement, nos activités ont été très très réduites à cause de la COVID-19. Que tout le monde connaît. Donc la célébration de cette journée a été surtout basée par la sensibilisation. Une sensibilisation qui s'est faite à travers les médias par rapport à ces droits. Au Gabon, quelques années après son accession à l'indépendance, les plus hautes autorités avaient très vite compris l'intérêt de mettre en place une administration dont l'activité principale porterait sur le contrôle des prix et le respect des droits des consommateurs. Pour ça, vous avez la GASA, je crois la concurrence aussi. Oui. Alors, il y a aussi l'hygiène de la mairie. Ah, vous pouvez également les voir et se plaindre. Quel est le boulot, justement? Par contre, en ce qui concerne l'augmentation des prix, là, c'est aussi l'État qui régule. Je crois que c'est aussi la concurrence. Mais l'État a mis, soi-disant, en place une direction générale de la consommation et de la concurrence. Mais cette direction générale de la consommation et de la concurrence, je crois, devrait avoir pour mission de veiller non seulement au respect par les commerçants des prix, homologués, bien sûr, bien entendu, mais aussi de certifier que les consommateurs que nous sommes consomment réellement des produits normaux. Lorsque un consommateur est victime d'un abus, le consommateur a le choix de s'adresser directement à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, qui a un service en son sein de la protection du consommateur. Et pour, in fine, aboutir à un règlement à l'amiable. Deuxième choix, le consommateur, s'il n'est pas satisfait, peut intenter une action en justice, donc déposer une plainte au tribunal. Et là, ça peut engendrer des coûts. Bien, le consommateur peut également se retourner vers les associations de consommateurs. Et voilà, et nous pouvons l'accompagner pour trouver satisfaction à son litige. Aujourd'hui, les principales missions de la DGCC s'articule dans la régulation concurrentielle des marchés dans le but de lutter contre les ventes illicites et les abus des positions dominantes. Les principales missions de la Direction générale de la concurrence consommation sont d'assurer et garantir une concurrence saine et loyale sur toute l'étendue du territoire, protéger le consommateur contre des abus, surtout sur le plan économique et sanitaire, et contrôler la qualité des biens et services qui sont mis à la consommation. La principale réforme qui nous travaille à l'heure actuelle, c'est la réforme concernant la transposition de la directive numéro 2 harmonisant la protection des consommateurs en zone CEMAC par une loi nationale sur la protection des consommateurs.
Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est cette réforme qui nous permettra d'avancer. Grâce à cette réforme, ça va nous permettre de mettre en place des institutions capables d'accompagner les consommateurs, comme par exemple le Conseil national de la consommation. Ce dernier permettra à l'État, aux entreprises et aux associations de consommateurs d'échanger sur des problématiques liées à la consommation. La protection économique et sanitaire des consommateurs permet à la DGCC d'informer de façon loyale les consommateurs et contribue ainsi à donner confiance dans l'acte d'achat en veillant sur la qualité des produits et des services. Un consommateur, on va dire, c'est tout citoyen qui commet des actes d'achat et qui peut aussi consommer sans avoir acheté. Donc, le consommateur, c'est effectivement un individu sur le plan économique qui, on va dire, un agent économique qui opère des achats auprès de professionnels, donc des opérateurs économiques. Et donc, le consommateur, donc, c'est celui qui achète, en mot simple, et auprès d'un marchand, d'un commerçant, d'un fournisseur, d'un opérateur économique. Le consommateur reste cette personne qui achète pour son usage personnel ou collectif des produits destinés à la consommation. Le consommateur est aussi une personne qui réalise un ensemble d'actes à propos d'un service ou d'un produit depuis son achat jusqu'à son utilisation, et cela en vue de satisfaire au mieux ses attentes tout au long de la durée normale prévue d'utilisation du dit produit. Le consommateur, enfin, est une personne qui utilise un bien ou un service pour son usage personnel en vue de satisfaire directement un besoin. Et moi, en tant que spécialiste et consommateur en même temps, ben, j'entends le devoir, tout simplement, qu'il y ait une sorte de régulation. Le devoir du consommateur, c'est d'être prêt à consommer ce qui est propre, à consommer ce qui est consommable, et le devoir, c'est réguler ceux qui ne sont pas à jour et ceux qui ne respectent pas les principes de la régulation. Au-delà et dans l'envie de satisfaire son besoin, le consommateur ne sait pas souvent à qui s'adresser en cas de plainte. Pour se plaindre, il faut d'abord savoir à qui se plaindre. Or, l'on n'est pas souvent édifié sur la question. Et donc, vous comprenez que beaucoup de Gabonais, comme moi, ont du mal à se plaindre pour cette raison toute simple. Je demande simplement aux pouvoirs publics qui ont la charge de cette mission de me dire quels sont en réalité mes droits et mes devoirs en tant que consommateur au Gabon. Les consommateurs du monde entier ont 8 droits et il y a au moins 2 droits qui sont ajoutés en 2004. Et donc ces droits sont reconnus par l'ONU. Et ce sont les différentes résolutions de l'ONU qui ont consacré ces droits. Nous avons le droit à la satisfaction de besoins essentiels. Deuxième droit, droit au choix. Donc le consommateur faisant des achats dans différentes structures doit donc procéder à chaque fois à des choix. Troisième droit, on peut dire droit de s'informer. Par exemple, les gens qui nous regardent en ce moment sont en train de s'informer. On a le quatrième droit du consommateur, droit à l'éducation. Cinquième droit, on va dire le droit à la représentation. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je représente la communauté des consommateurs. Eh bien, nous avons aussi le droit au recours. Lorsque un consommateur est victime d'un abus, eh bien, il doit intenter une action en justice pour trouver satisfaction. Le droit à la sécurité. Donc, le consommateur doit avoir à sa disposition des aliments sains, propres à la consommation humaine. Et enfin, on a un droit à un environnement sain. Donc, l'environnement du consommateur doit garantir sa vie et la vie de consommateurs futurs. Pour une atteinte maximale à ces objectifs, les fournisseurs de services et de produits doivent mettre à l'attention du consommateur toutes les informations possibles, disponibles et non mensongères, pour permettre aux consommateurs le droit de choisir. Je sais que les gens sont souvent victimes de ça, parce que je prends mes précautions. Je n'achète pas juste pour acheter.
je regarde tout ce qui est comme norme. Et tout simplement ça. Mais je n'ai jamais été abusé. En dehors du fait que je peux me plaindre comme tout le monde lorsqu'il s'agit de l'augmentation des prix. C'est-à-dire que vous avez ces vendeurs qui abusent, qui profitent des petites situations et augmenter les prix sans véritablement communiquer, sans véritablement dire aux gens pourquoi on a augmenté tel ou tel produit du marché. Et en ce moment-là, je peux être abusé. La DGCC dispose de 808 agents. La plupart sont assermentés. Tous ces agents sont répartis sur le territoire national. Donc ces agents sont assermentés et ont le pouvoir, ont un pouvoir de police judiciaire. Ils peuvent donc rentrer dans tout endroit pour pouvoir procéder à des contrôles. La DGCC dispose de 808 agents. La plupart sont assermentés. Tous ces agents sont répartis sur le territoire national. Donc ces agents sont assermentés et ont le pouvoir, ont un pouvoir de police judiciaire. Ils peuvent donc rentrer dans tout endroit pour pouvoir procéder à des contrôles. À côté de ça, la DGCC dispose donc d'un laboratoire de contrôle qualité qui est accrédité ISO 17025 version 2017. Cette accréditation lui reconnaît le droit de pouvoir faire des analyses microbiologiques et physico-chimiques, surtout produits alimentaires et les eaux de consommation. Bien, la DGCC, la DGCC est le bras séculier de l'État en matière de concurrence et de consommation. Eh bien, et même de la répression de fraude. Nous, Association de consommateurs, nous sommes partenaires du gouvernement et donc nous collaborons avec cette entité gouvernementale et administrative qui s'intéresse à la concurrence et à la consommation. Et nous sommes un peu les éclaireurs de la DGCC dans certains cas. Nous pouvons signaler, lorsque on a un retour à la DGCC, qu'il y a une situation sur les prix, sur la qualité, sur la contrefaçon, etc., etc., pour que la DGCC puisse se déployer sur le terrain. Et nous avons le devoir aussi de relayer les messages de la DGCC auprès des consommateurs et des opérateurs économiques, donc les boutiquiers du quartier. La DGCC dispose de plusieurs outils de communication qui sont principalement composés du numéro vert 8085 que tout le monde peut appeler de 7h30 à 15h30. Ce numéro est ouvert pour pouvoir dénoncer tout abus constaté sur le terrain ou auprès d'un opérateur économique. La DGCC invite les consommateurs à s'approprier leurs droits afin de devenir des consom-acteurs, qu'ils soient acteurs de leur consommation. Donc c'est une des premières choses. Et nous les invitons aussi à se regrouper. Nous les invitons vraiment à se regrouper en association pour pouvoir mieux se défendre face à certains abus de certains opérateurs économiques. Voilà, c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui dans le cadre de votre magazine Consomag. Consomag est votre nouvelle plateforme destinée à promouvoir les droits et devoirs des consommateurs. À la semaine prochaine sur Gabon Première.